De Montana depuis janvier, fin fait toute activité à l'intérieur pendant que l'a développé des relations avec l'ensemble de l'autre instance en d'un pays, l'ensemble de l'autre lieu politique, l'autre organisation société civile. Pendant qu'il a fait ça, fondamental de pour le faire, c'est arriver à joindre une négociation politique avec le pouvoir en place, quel que soit le pouvoir que tu as là, quel que soit le pouvoir, quel que soit le genre composé. Donc depuis lors, nous ne jamais suspendre, solliciter le pouvoir en place là pour nous avancer, ne serait-ce pour nous commencer une conversation politique qui pourrait nécessairement déboucher sur une négociation politique. Et toutes les que nous faisons, il y a une réponse, il y a des fois pas une réponse, mais nous toujours insister sur le caractère ça, que le nécessaire que nous arrivons en phase, c'est une négociation politique qui pour mener, ça nous relève, un consensus large pour diriger le pays. A fait pouvoir personnel, individuel, on grimpe mon nom seul chef, mettre pays à, c'est un bagage qui montre incapacité pour résoudre la crise qui est là. Nous avons fait un an à vivre et pays à vivre la chaîne. Misère qui est installée dans le pays, massacre qui a fait dans le pays, kidnapping qui n'a pas suspendu dans le pays, montre clairement que l'incapacité, un groupe de monde, quel que soit le genre composé de tête, pas capable de résoudre la crise. Là. Et nécessité pour un consensus large. Pour résoudre le problème, c'est lui-même la donne Montana inscrit. Nous avons une situation claire qu'on y a. Si avant, il y a peut-être 2 ans, il y a peut-être 3 ans, il y a une bataille, il y a une lutte dans le pays pour empêcher le gouvernement qui est là, le gouvernement qui est en place, qui a fait des bagages qui sont contraires à l'aspiration de la population, à l'aspiration du pays pour bien être les chemins de liberté. Il y a un blocage qui a été fait, c'est un mouvement populaire qui est accentué par des partis politiques qui ont été bloqués. Pratiquement, le gouvernement dans cette affaire, chercher au moins pour pousser la négocier. Pour y avoir cette situation inverse que nous c'est l'État, gens l'organisé, gens structuré, pouvoir qui bloquer le pays. Il bloque le pays et face à ça, Montana a cherché une route pour débloquer le pays pour venir aux solutions à la crise. Là. Donc, nous sommes face à une situation côté un ensemble de monde qui est installé au non-accord, qui est accord en septembre, qui est associé à un pouvoir qui est en place, qui l'a, et qui est tout appareil l'État à la main, toute institution l'État à la main, qui décide que sans eux-mêmes, rien n'est pas qu'à faire, c'est eux qui mettent le pays. Donc, ils ont bloqué le pays pendant ce temps, destruction a continué. Donc, dans le cadre de marché Montana, qui est le fond de débloquer le pays, non pas débloquer le gouvernement, dans le sens pas, c'est comment on a débloqué le gouvernement pas. C'est comme si il y a des gens qui ont fêté, pendant qu'ils ont fêté, ils ont fini bien fêté, ils ont fini à inviter les gens, ils ont fait 7 pour y avoir. Nous pas dans cette situation, nous sommes dans une situation que nous proposons clairement. Pour le pays sortir de sa lière, il faut rétablir sans relier l'ordre républicain. Ça veut dire fonctionnement institution de l'État. Institution d'État, c'est d'abord sans la justice pour qu'elle fonctionne. Nous avons un résultat qui s'est passé dans le tribunal civil. Là, nous avons déjà écrasé le système et en même temps, nous avons écrasé l'institution, qui a saisi le local, écrasé le local là. Donc, pour mettre l'institution et la justice là en dehors du fonctionnement, le premier bagage qui est important que vous faites, c'est pour rétablir l'institution qui est la justice là. Deuxième bagage, nous avons un gouvernement qui a fonctionné avec Allié en septembre, que c'est SDP, que c'est PHTK, que tout d'autres qui sont ensemble avec l'IA, ils ont un dans un pouvoir qui a contrôlé que vous avez pendant ce temps, il n'y a pas de contrôle sur ce qu'il a fait. L'argent est dépensé, il y a même un évoqué, il y a disposé de l'avenir pays, il y a disposé de ressources pays. Il faut nous rappeler pendant l'abdine, il y a disposé de ressources pays. L'économie pays est arrivée en phase, il y a HSC publié une information hier, côté de l'inflation pour la première fois de manière historique, il y a 29%, ce qui va jamais arriver. Pendant un groupe de dollars matin, au besoin, mon gars a acheté 100 000, 200 000 dollars, besoin 150 gouttes pour dollars. Donc, pour la situation de désastre, côté prix marchandises ont augmenté, personne n'a qu'à vivre, et pendant ce temps, dépenses ont fait sans qu'un contrôle, décision politique a pris sans qu'un contrôle. Donc, une deuxième institution qui est fondamentale, qui est l'institution, qui est le contrôle en deux pays, qui est une institution législative, mais c'est essentiellement avec fonction de contrôle. C'est ça qu'il faut rétablir dans le pays. Pendant qu'on reste Sénat qui existe, qui a fonctionné et qui l'a émandé à la fin en janvier, on a regardé comment on a articulé son point de vue légal, instance législative, ça, instance de contrôle, ça, avec organe de contrôle que Montana a défini et que le prix a élargir nos discussions politiques avec d'autres secteurs, y compris le gouvernement en place. C'est proposition ça qu'il faut rétablir une institution. Ça, et troisième institution républicaine qui est importante pour nous et qui est fondamentale, qui permet de résoudre tout le problème qu'on a gagné, c'est d'abord, c'est essentiellement, ça n'est dans l'esprit que si on est en septembre, ça n'entend pas parler un exécutif bicéphale. C'est ça que si on prévoit, il faut qu'on présidence et il faut qu'on primature. Donc, c'est dans le cadre de ça que démarche Montana inscrit. Mais tout ça, c'est pour permettre que la population, l'expression, aller en conférence nationale pour définir les bases
dans le nouvel État, les bases de l'organisation de la société, les bases de fonctionnement de la société, les bases de qui permettent, premièrement, d'aborder questions et constitution, qui permettent d'aborder questions système électoral, comment vous ça fait, et qui en même temps commencer à aborder comment nous allons aller mieux du point de vue économique à partir des ressources qui sont dans chaque commune dans le pays. Donc c'est essentiellement des démarche Montana et c'est dans ça qu'on a construit pour jouer un résultat. Mais cependant, nous réalisons en face nous, pendant toute séance de et conversation politique que nous avons, nous bitons face à un pouvoir qui déclarait que lui-même, c'est autour de lui-même pour tout le fait, tout pouvoir en main, en rien, pas qu'à faire ça eux-mêmes. C'est au gain légitimité d'après eux-mêmes, c'est au gain légalité d'après eux-mêmes, c'est au gain constitutionnalité d'après eux-mêmes, sans eux-mêmes, on n'est pas qu'à faire pays à mettre péri. Personne n'a pas déplacé dans le pays, personne n'a pas joué de moyens pour vivre, mais ça n'a pas intéressé eux, c'est pour eux qui ont le pouvoir, l'en main, et ça eux-mêmes seulement pour composer. Donc face à ça, nous arrivons dans une situation aujourd'hui hein, que nous pensons nécessaire que Montana n'a pas qu'à continuer dans le dilatoire à expliquer chaque jour à rencontrer et puis bah, bloquer sur le même point avant d'avancer. Ne serait-ce qu'un point pour introduire un agenda qui est le fun, discuter de la question de gagner un exécutif à deux têtes dans le pays, à point ça, il va même voulu que introduire un agenda de discussion. Ce qui montre que blocage, l'État mettait dans le pays aujourd'hui, l'État a bloqué le pays pour joindre un espace pour capable renouveler système politique là, pour qu'il y ait un moyen pour capable arriver faire élection, pour qu'il y ait un moyen pour qu'on aller mieux dans le pays là, c'est dans ça où il est aujourd'hui à donc en face à un mur qui refusait de placer, qui refusait ne serait-ce quitter espace pour pas s'exprimer. Donc face à ça, nous mêmes nous décidons aujourd'hui à formellement après toute consultation à l'intérieur de Montana et tout instance que nous avons, nous décidons que sous question négociation pose, prend pause, il a fait négociation. Nous camper sous prend pause, il fait négociation. Nous voulons que c'est une négociation sérieuse qui commence sous base agenda que nous définissons, que nous remettions. D'ailleurs, nous n'avons jamais intervenu, nous n'avons jamais participé dans quelle rencontre, dans quelle réunion jusqu'à aujourd'hui, que nous avons un document préparé qui précisait côté nous aller et qui sous qui base nous le travail, sous qui base nous va discuter. Donc, document en main, il y a peut-être des réagir, mais il y a joué avec ça, il y a peut-être des modifications par quel rapport avec ça. Mais ça, fondamentalement, nous ne pas voulu. C'est pas permettre que le pays arrive à parler à tête. Pas permettre que le pays organise une conférence nationale. Là. C'est pour eux-mêmes de définir une constitution. Ils ont demandé à voter. C'est pour eux-mêmes de définir qui gère un ton CEP. Pour qu'à faire l'élection, ils ont besoin de faire. C'est comme ça qu'ils comprennent une question. Il faut pouvoir l'en mettre pour contrôler toute bagarre. Nous-mêmes, nous disons non. Nous campons sous point ça. Et qu'on y a les bails parés et qu'effectivement, la question de la négociation capable d'avancer n'a pas avancé. Pendant ce temps, Montana lui-même, de ce point de vue-là, a organisé lui. À l'interne, j'ai ça habitué fait et nous pensons que la question de la conférence nationale, c'est un point important. À l'intérieur de Montana, nous avons continué la discussion que nous avons fait sur la manière d'aborder, mettre structure, ne serait-ce que informelle, mais formelle dans le cadre du peuple national haïtien, pour nous avoir une base, pour nous commencer la conférence nationale là, pour l'heure qu'on a formalisé, institutionnalisé du point de vue de la République, pour nous mettre en place, pour nous faire. Donc c'est la démarche ça que nous allons aller essentiellement à partir de maintenant. Et c'est ça qui a une base de mobilisation nationale dans le pays qui permet que au niveau de chaque commune côté conférence pour le fait nous n'y a plus bataille dans le pays pour ça réaliser et que c'est cette mobilisation nécessaire et importante qui permet de pouvoir dans situation ou bien négocier ou bien démettre de fonction que la mener là aujourd'hui parce que l'inacceptable que le pays a continué à vivre dans les conditions que la vivre là. Donc c'est essentiellement ce point de vue que nous mêmes nous développer et cette capacité, cette décision que matin nous prend et nous informer publiquement nous camper derrière cette position là formelle. Okay. Merci. Alors, pour nous démentir ensemble de contre-vérité. Première contre-vérité qui a dit et que vous faites, qui ne va jamais arriver vrai, à aucun moment, délégation Montana, ni non formel ni non informel, n'a jamais présenté devant pouvoir en place allié pour dire au conseil que Badzelio, parce que nous-mêmes, nous avons élu pour nous installer. Ça va jamais. Moi, ça a circulé, mais ça, c'est une contre-vérité qui n'est pas vrai. Deuxième barrière. À aucun moment, délégation Montana n'a pas jamais dit à pouvoir en placer avec Allié. C'est avec Montana seulement pour mener un dialogue politique et pas avec les autres. De la position de délégation Montana, c'est que n'a fait, ou entendre nous son agenda, nous cherchons un tant de principes de qui Jean Poubagay la cap débloqué et après ça, ensemble, nous rencontrons avec l'autre acteur parce que ni pouvoir en place là, ni
accord 11 septembre nan, ni accord Montana pas suffi pour débloquer. Mais qui j'en pour le faire, on te propose une démarche par étape et non une démarche côté nous exclut les autres. À aucun moment, délégation Montana, ni dans formel ni dans informel, pas jamais arrivé, d'ailleurs pas nous pas même entendre nous sur agenda. Comment tu as fait arriver pour n'en parler de qui est-ce qui pour premier ministre, qui est-ce qui pour président, qui est-ce qui pour ministre, qui est pour ceci. Nous va jamais arriver là pour la simple et bonne raison, dialogue politique là pas jamais bien temps commencer à faire. Ça en est clair pour la nation que ce sont des contre-vérités et contre-vérités ça y a pas rien pour être avec la réalité. Parce que un ensemble de monde qui prend un malin plaisir de faire n'importe quoi sorti sur les réseaux sociaux et mon cap lié sur les réseaux sociaux depuis au web sur les réseaux sociaux yo penser c'est la vérité. Ça c'est la première chose que m'ta dit. La deuxième chose que m'ta dit, question dialogue politique ou pour y venir dans négociation avec pour en place là, c'est un bagage qui tragique et en même temps qui comique. Li tragique parce que nous face à un pouvoir qui vient un an et depuis leur montée, c'est un pouvoir qui pratiquement pas de opposition devant nous. Et jusqu'à présent, il n'y a pas d'opposition devant nous, tant que Jean Saté fait sous, à l'époque, président Jovenel était sous pouvoir. Tout acteur dans la société civile, là, tout acteur politique, était pensé que ce qui est une nécessité pour ensemble avec le pouvoir en place là, yo joindre un consensus pour sortir pays dans l'impasse que pays a arrivé. Alors, ce qui est tragique là-dedans, c'est que même pouvoir en place ça, alors que le passé un an, il n'a pas fait rien, alors que le passé un an, effondrement l'État a vu une plus grand, alors que le passé un an, effondrement société a vu une plus grand, pouvoir ça penser que c'est lui-même, Jean Tetabdi, qui a toute légitimité, qui a toute constitutionnalité, alors que le pas remettre à rien. Et ça permet nous, ouais, nous en face, un pouvoir qui est non seulement incapable, parce que après un an, pas de grand chose qui fait dans le pays, c'est pas seulement le pays à fait, mais qui en plus irresponsable. Parce qu'on a un minimum de responsabilité dans le pouvoir, tu as supposé dire par rapport à la situation du pays ailleurs, il n'est pas capable de guider ce pays comme ça. Et ça qui est comique là-dedans, pouvoir mettre dans tête que c'est lui-même qui peut décider agenda qui s'approuve l'autre acteur vient discuter avec. Pouvoir mettre dans tête que lui-même, l'autre acteur doit venir porter le renfort, doit venir baler le observateur, doit venir baler l'idée. Sous qui gens pour débloquer crise là pendant que lui-même il est sous pouvoir, il va régler absolument rien ni pour pays ni pour population ni pour monde qui dans condition défavorisée ni pour paysan, il va régler rien pour personne sauf pour tête. Alors là devant bagaille qui est aussi tragique qui est aussi comique, question pour nous poser tête nous, pour qui ça que international là accepter tolérer, encourager un pouvoir de cette nature continuer à perdre dans tel pays. Parce que si pouvoir pas de gain, on appuie dans le niveau national et dans le niveau international, il n'y a pas de foutu gagner un tel comportement. Nous arrivons dans une situation que faut nous poser tête nos questions. Qui ça qui gagne pour faire, jour et jour pour sortir du pays dans la situation que y est. Joune jodi a, que faire là, c'est un bagage national que lié. Il concerne ensemble de secteurs dans la société civile là. Il concerne ensemble d'organisations dans le pays là. Il concerne milieu rural là comme milieu urbain. Il concerne tout acteur dans le pays là. Pays là, pas capable encore, faut faire un seul, tant qu'un seul monde pour nous arriver, sortir pays là. Dans la situation que hier. Soit il y a dans la situation que hier, chaque jour nous rendons compte que le pouvoir n'est pas intéressé à ça. Donc face à ça, ensemble, toute nation, il y a des décisions
important pour le prendre en sens ça. Pour nous-mêmes, au niveau Montana, nous faisons tout ça que nous sommes capables pour arriver à joindre une entente de principe avec le pouvoir en place là qui permette de débloquer la situation pays avec ensemble de l'autre acteur politique et acteur dans la société civile là pour ça arriver fait. Pouvoir refuser ça. Parce que pouvoir, c'est monologue que nous voulons faire ensemble et non pas dialogue pour débloquer la crise pays. Pour nous-mêmes dans Montana, accord après un an, accord pas loin, accord 30 d'août. C'est un moment pour nous faire un bilan critique, pour nous regarder la stratégie que nous avons gagnée, pour nous définir de nouvelles stratégies. C'est un moment tout pour nous chercher, faire discussion, bilan critique, ensemble avec nos alliés, et pour nous garder que faire ensemble. C'est un moment tout pour nous reprendre le bâton derrière nous, pour nous contacter, pour nous chiter à discuter avec ensemble de l'autre acteur important dans la société, pour ensemble avec nous, nous garder comment ensemble retirer le pays dans le mauvais passe que l'il y a. Donc, nous continuer avec le travail et relations publiques, nous continuer avec le travail renforcement Montana, ni au niveau métropolitaine, ni au niveau milieu rural, nous continuer travail diplomatie qui est extrêmement important pour l'Aldi international là, il n'est pas normal, il n'est pas acceptable pour Québec un pouvoir qu'a fait un pays ça. Et n'a continué à parler avec l'ensemble de l'autre acteur pour ensemble nous qui j'en retire le pays là, n'a pas cela beau que vous voulez là. Merci.